Marty. Le commandateur Giancarlo de Bonomi est là. Avec son état-major. Comme chaque année, il vient faire sa cave. On dit qu'il est la meilleure d'Europe. Je me méfie. C'est parfois en faisant sa cave qu'on ébranle les fondations des maisons voisines. Oh, arrête, papa. Tu vois des Goldfinger partout. Mesdames, messieurs, la parole est à monsieur le sénateur Louis Saint-Romand, président de la vente. Par suite d'un jugement rendu récemment par le tribunal civil de Dijon concernant la succession Loret, nous mettons aujourd'hui en vente aux enchères, au plus fort enchérisseur, une parcelle située dans le clos Taillemont, enregistrée au cadastre sous les numéros 128A, 128B, d'une contenance totale d'un hectare 33 arts. Maître, c'est à vous. La mise à prix est de 5 millions de francs. C'est un morceau de la Bourgogne qui s'en va. Silence! Silence, je vous prie, nous sommes entre professionnels. J'ai preneur à 5 millions, qui dit mieux? 5 500 000 à ma gauche, 6 millions en face. 6,5. Moi, elle n'a pas peur, la mère Roland. Mais elle peut, elle a de quoi. Rien qu'entre Vonnet et Meursault. 7 500 000 francs. Qui c'est celui-là? Mon ami Michel Morin-Morland, avocat et consultant d'un paquet de grosses affaires. Une sérieuse pointure. Alors qu'est-ce qu'il vient faire par ici avec ses grands pieds? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, oui. 8 millions en face. C'est bien vu? Un instant, s'il vous plaît. Je demande le silence. Ainsi que l'usage lui autorise, je réclame une suspension de séance. La vente reprendra ultérieurement. Vous l'avez bien dit, papa. Les cartes à nous, il ne fallait pas les laisser jeter sur le marché. On l'avait pratiquement entre les mains. J'oublie que je suis président de l'Union Viticole et élu du peuple. Ça crée des obligations morales. Et d'ailleurs, la terre, nous en avons bien, c'est comme ça. Eh ben, moi, je suis tout à fait d'avis de papa. Alors, mes parents aussi, ils ont droit à leur part de... À leur part de quoi? Leur part de rêve. Oui, pour nos vins, Taillemont. C'est une partie de nos meilleurs climats. Et ben, pour eux, c'est comme si c'était... C'est comme si c'était Versailles. Versailles, pauvre débile. Pourquoi pas la terre promise, pour monsieur? Assez. Alors, ça t'amuse de nous foutre dans la merde? Un peu. Germain, tu téléphones à Fombelle, tu dis à Marcel de venir tout de suite. Nous avons absolument besoin de lui ici. Il est le seul à pouvoir nous sortir de ce... Ne se mauvais pas. Jean-Claude, viens. Ça t'amuse encore de faire joujou avec ces machins-là? Oui. Parce qu'à mon âge, comme tu dis, si je ne mène pas bien mon opération
d'achat sur l'européenne de distribution alimentaire. C'est le consortium de banques. Et ce ne sont pas mes amis. On mettra la main dessus. Et alors? Non, merci, Julien. Qu'est-ce que tu disais, toi? Et alors, je ne vois pas pourquoi tu te lances dans une affaire de plus. C'est quand même curieux pour un œnologue de ta classe d'être bouchonné à ce point-là. Tiens, je vais te montrer. Ça, c'est le consortium de banques. Ça, c'est le marché européen. Et ça, c'est moi. Le consortium me bouche le marché. J'envoie le consortium dans la nature. Le marché vient chez moi, et moi, je le cueille. Pendant que le consortium le cherche partout. C'est pas beau le billard? C'est admirable. Alors joue au billard. Pourquoi tu continues? Ah, voilà une bonne question. Écoute, Marcel, tu pèses un formidable paquet de sous. Et moi, je sais ce que c'est qu'un sou, parce que moi, je suis un fils de paysan. Tu as reconstruit une des plus belles maisons du monde, dans laquelle tu vis comme un nabab. Un nabab que des millions de Parisiens et de banlieusards envient chaque matin dans le métro. Ben oui, mais je ne suis pas un nabab. Moi, je suis... l'homme du silence. Oui, c'est ce qu'on dit à Paris, ça. Non, non, plus simplement, je suis un homme d'arrière-boutique. Un pouvoir sur lequel on peut pas mettre de visage. C'est grisant, non? Ben tiens. Je suis peut-être idiot, mais quand même, j'aimerais comprendre. Ce morin Morland, avec du fric plein les poches, qu'est-ce qu'il cherche exactement en voulant mettre la main sur Taïmou? Nous épater? Peut-être davantage. Ça veut dire quoi? Cette enchère de 8,5 millions, ça entre dans son système. Lequel je l'ignore. Mais ce que je sais par contre, c'est que depuis une bonne paire d'années, Morin Morland achète un peu partout sur les côtes. Oh, pas grand-chose. Quelques arts, par-ci, par-là. Mais ça va de Chassagne-Montrachet, en passant par Pommard, Vaune-Romanée et tout le reste. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils laissent l'exploitation et les bénéfices aux anciens propriétaires. À charge pour eux de lui livrer 8 caisses de 12 bouteilles de plus de 15 ans d'âge le 31 décembre de chaque année. Tu es bien gentil, papa, mais je crois que vous ne connaissez pas Morin Morland. Moi, si. C'est une gloire du barreau. Chez lui, tout est en vitrine. Son métier, c'est les pâtes, les sbrouffes. Il veut tout. Il est riche et il est célèbre. À ses dîners, on sert les ministres comme des huîtres, par douzaines. Là, j'ajoute que sa cave est une des meilleures de la capitale. D'accord, et des grands vins, ça se trouve dans le commerce. Oui, mais sur les étiquettes du commerce, il n'y a pas marqué Morin Morland, propriétaire. On s'éloigne de notre affaire. Enfin, enfin. Marcel, on a pu le joindre? Il arrive ou il n'arrive pas? Monsieur le Président. Hein? Oh, l'allié. La poste vient d'appeler. La ligne est rétablie. Rien d'autre? Non, monsieur le Président. Merci, l'allié. Dites donc, vous êtes d'une élégance raffinée ce matin. Dis-moi, Marcel, tu te fous de moi? Moi, pourquoi? Quand le Brésil demande un moratoire de 35 milliards de dollars au FMI, c'est dans ton arrière-boutique que tu traites l'affaire? Presque. Tu sais, Charles, du fond de ma tanière, j'ai parfois l'impression de fabriquer de la paix comme d'autres préparent les guerres. En faisant de la médecine financière préventive. Exactement. Et ça, tu vois, j'ai pas intérêt à ce que ça se sache. Sinon, on ne pourrait plus jouer au billard. Eh ben, tu vois, quand tu veux, tu comprends tout. Qu'est-ce que tu fais, tonton Marcel? C'est pas vrai, il dit que c'est ma mémoire ou quoi? Je sais bien, mon camarade, que tu as toujours aimé jouer les prophètes. Mais tu as pas l'impression, cette fois, de voir un peu grand?
La prophétie, vieux Charles. C'est pas la science de l'avenir, c'est la connaissance du permanent. L'embêtant, c'est que le permanent, à mon âge, ça commence à devenir un problème. Toi, mon petit Marcel, tu penses à l'héritage que tu vas laisser. Ah, ça m'arrive, oui. J'ai pas d'inquiétude pour la maison Saint-Romain, frère et fils, ça fonctionne depuis 1797 et ça tournera. Mais mes affaires à moi, ça, en revanche, c'est... Auquel de tes neveux penses-tu? Aucun. Jean-Claude, c'est un bon négociant, mais rien là-dedans. Trop dur, trop réaliste. Et Germain? Germain... C'est un romantique. Trop faible. Trop rêveur. Ton frère? Mon frère? Mais il ne pense qu'à une chose, c'est d'être président du Sénat. Puis dis donc, il est plus vieux que moi. Dis, Marcel. Ouais. Je peux être indiscret? Plonge. Tu n'aurais pas ta nièce Judith dans la tête par hasard? Exact. Quoique, elle aussi, il y a un petit défaut dans la cuirasse. Ça aurait dû partir depuis longtemps, ça. Et qu'est-ce qu'il fiche à la facturation? Harald n'est pas encore arrivé? Non, madame, je crois qu'il a dû passer la soirée chez lui à Lausanne. Ah oui, c'est vrai. Je reviens dans 5 minutes. Si les journalistes arrivent, vous faites patienter, s'il vous plaît. Bonjour, ça va, ce matin? Bonjour. Ah, bonjour, Harald. Justement, je voulais vous parler. Oui. Oh. Fallait que je te voie. Viens, viens. J'ai réfléchi toute la nuit. Mmh. Est-ce que tu es bien sûr de toi? Oui. Oui, je veux vivre avec toi. Et puis je te veux tout amour. Alors c'est décidé, je le quitte. Plein d'amour. Moi, je le quitte. J'essaie de garder les enfants, mais je les quitte. Les Saint-Romain, le clan, envahissant, tentaculaire. Ça va être long, un dernier week-end sans toi, tu sais. C'est pas vrai, hein. Pas possible, ça. Allô? Tu vois, Charles, dès que la mécanique est réparée, l'enfer recommence. N'arrête pas le progrès. Non, on n'arrête pas le progrès. Allô? Monsieur Saint-Romain? Oui. Ici le sous-préfet de Bombard. Ah, bonjour, Rouquayrol. Non, pas besoin de vous présenter, à votre accent, on vous reconnaît. Ben, passez-le-moi. Dis donc, j'ai droit à la préfectorale au grand complet ce matin. Bonjour, mon cher président. Bonjour, monsieur le préfet. La patrie est en danger? Presque. Comme je vous l'ai dit hier, le ministre part pour Bruxelles. Oui. Qui fouille un peu. Et... Rendez-vous à l'aéroport, comme prévu? Bon, entendu. À tout de suite, monsieur le préfet. Bon, ben, Charles, la partie de billard est terminée. Oh, la barbe. Oui. Le ministre du Commerce extérieur part pour Bruxelles discuter des montants compensatoires. Oh là là. Oui, comme tu dis, comme il n'y connaît rien, il a besoin de mes lumières. Ce que c'est que d'être indispensable, hein? Son avion se pose à Dijon dans 3 quarts d'heure. Le préfet m'envoie une voiture. Je suis obligé d'y aller. J'attends ou je reste non, chez non, moi? Non, tu restes ici. J'en ai pour de petites heures, je vais m'habiller, je reviens, on déjeune ensemble. Mmh. On a parlé sérieusement, tu sais. L'affaire QV 2001 remonte à la surface. Alors. Et Marcel? Je sais pas ce qui se passe à Fondel. Ça fait 10 fois que j'essaie, c'est toujours annulé. Oh, quelle poisse! Ben, je vois qu'une seule solution, je vais faire un 100 en voiture. 140 bornes aller-retour? Non, 70, je fais l'aller seulement.
Ça va très bien, puis je suis tout de suite à Honfleur où les enfants nous attendent. Judith a sa collection. Donc elle va certainement rentrer très tard. Tu prépares, Joël. Harald, passez-moi le 34. Le 34, s'il vous plaît. C'est pas mal, mais Judith, vous pensez pas que ce serait mieux avec des épaulettes? Un peu ce que vous voulez, mon père, hein, de votre création. C'est bien. Ah, c'est pas mal comme ça, c'est bien, non? Dites-moi, Harald, les héritières d'un roman, vous ne trouvez pas que vous les frôlez d'un peu trop près? Tu pourrais dire à ta nièce qu'elle cesse de tourner autour de moi. Elle m'ennuie. Si nous étions restés, je l'aurais renvoyée. Mais comme c'est nous qui partons... Bon, alors voilà. Ça, ce sera le 1. Et des négociations sur l'Europe. Tout de suite, monsieur. Le gris est tout de même plus gai, monsieur. Certes, Julien. Julien, dites à ce monsieur que j'arrive tout de suite. Pour enregistrement et répercussion, veuillez donner votre indicatif. MSR 6-8-10-12-10, soft. Indicatif exact. Donnez vos instructions. Mardi 16 mai, 11h07. Blocage tout compte. Suspension toute manipulation. Jusqu'à annulation présente ordre. Sur même indicatif. Pour affaires courantes, transmettre formule B aux responsables Londres, New York, Zurich, Tokyo. MSR 6-8-10-12-10, terminé. Message enregistré. Et n'oubliez pas, Nestor, qu'on ne prend jamais assez de... On ne prend jamais assez de quoi, Nestor? On ne prend jamais assez de précautions, monsieur. Poids de quoi, Nestor? Poids de Nestor, monsieur. Je viens d'enclencher le blocage de routine, on ne sait jamais. En cas d'imprévu, vous prenez vos instructions sur code rouge, selon les procédures habituelles. Vous vous absentez pour longtemps, monsieur? Non, de petites heures. Le préfet me demande d'être à l'aéroport de Dijon pour un entretien avec le ministre du Commerce extérieur. Et t'es venant? Qu'est-ce que j'en fais? Vous lui dites d'attendre. Le déjeuner avec lui tient toujours. Faites faire une soupe de pois cassé. T'es venant, on n'aime pas, mais moi j'adore. Je lui ferai faire 2 œufs à la crème, comme d'habitude. Vous direz aussi à Martin de venir me reprendre à la préfecture à partir de 12h30. Pour le retour, je préfère l'avoir à côté de moi. Martin? Oui. Mais monsieur le président, c'est son jour de congé. Ah bah c'était pas tant ça. Ils ont des gardes du corps. Mm. Ils vous coûtent une fortune et ils assistent à votre enterrement. Des gardes du corps abattus, vous en connaissez, vous, Marguerite? Ah, je n'en ai jamais fréquenté, monsieur le président. Ah non? C'était pas mon gendarme.
Ne me dites quand même pas que vous êtes vierge, Marguerite. Mais je ne l'ai pas dit, monsieur le président. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Eh ben, Marguerite, envoie-le la discrétion. Ça doit bien faire 30 ans, non? 27, Marcel. Quelle mémoire. Vous avez sûrement raison, l'allié. Puisqu'il semblerait que mon frère Marcel ne puisse venir, ne perdons pas de temps. Il est l'heure de déjeuner. Alors, monsieur Bisset. Eh bien, monsieur Saint-Romand, je pourrais toujours faire valoir notre droit de préemption, mais les enchères ne sont pas closes. Et de toute façon, à 8 500 000 francs, mon administration ne me suivra pas. Je n'en suis pas surpris, ne suis jamais. Jean-Claude, va me chercher le trouble fait. Maître Morin-Morland. Messieurs, voici ce que je décide. J'engage personnellement le nom de Saint-Romand. Je couvre la dernière enchère à 8,5 millions, 9, si c'est nécessaire. La maison Saint-Romand achète Taillemont et revend à perte aux vignerons à leur dernière enchère de 8. Ça me coûte 50 briques, peut-être 100, mais ma position morale m'y oblige. Nous sommes chez nous, nous resterons chez nous et entre nous. Oui, mais monsieur Morin-Morland sera-t-il d'accord? Il faudra bien. Bisset, malgré vos instructions, je vais vous impliquer. N'ayez pas l'air surpris. Mon cher maître, pour Taillemont, vous êtes décidé à surenchérir? Mon cher sénateur, allons-nous faire? Qu'attendez-vous de moi? D'abord, mon cher maître, ne le prenez pas sur ce ton! L'administration est prête à faire valoir son droit de préemption à n'importe quel prix. Ensuite, le syndicat des vignerons me prie de vous demander de vous retirer de la vente. En a-t-il le droit? C'est une réponse que j'attends de vous, pas une question. Messieurs, vous avez gagné. J'ai trop le respect de votre travail, de vos terres, de vos traditions. Puisque le sénateur en manifeste le désir, je me retire bien volontiers. Pardon. Je me retire avec beaucoup de regret. Maître, vous êtes un homme de cœur. Je vous en remercie. Messieurs. Jean-Claude, raccompagne maître Morin-Morland. Mais la signature de monsieur Marcel Saint-Romand n'est-elle pas nécessaire? Définitive pour l'instant, monsieur Marcel Saint-Romand. Et si vous avez le malheur de bouger le petit doigt, vous cessez d'être l'homme le plus puissant de la Bourgogne pour devenir l'homme le plus riche du cimetière. Je comprends pas. Permettez-moi de vous présenter mon petit frère. Un garçon plein de talent, il m'est fort utile. Tigeot, montre à monsieur ce que tu sais faire. Par qui je commence?
Par le sous-préfet, par exemple. Bonjour, monsieur le président. Ici le sous-préfet de Bombard. Bonjour, Requérol. Pas besoin de vous présenter. À votre accent, je vous ai reconnu. Saisissant, n'est-ce pas, monsieur Saint-Romand? En effet, monsieur. Votre jeune frère a beaucoup de talent. Attendez, vous n'avez pas tout entendu. Tigeau fait le frère de monsieur. En ma qualité d'élu du peuple et en tant que président de la commission de l'agriculture du Sénat. Fait le neveu négociant. Puisqu'ils le prennent sur ce ton, je vais leur faire bouffer leurs culottes. Le neveu vigneron. Grandet, il est excellent. Mais alors, dans 5 ou 6 ans, mon vieux, attention. Félicitations, monsieur. Votre coup est magnifique. Scientifiquement monté. Attendez. Il fait la femme. Aussi. Monsieur le président, vous n'oubliez pas que vous avez un rendez-vous demain, à 11h à Matignon. Génial, non? Le mot me paraît faible. Vous êtes tout pâle. Vous avez peur? Mettez-vous à ma place. Je préfère la mienne. Je peux fumer? Hé, hey, Molo! On va pas la jouer belle au bois dormant. Faut qu'il se réveille, le papy. Je sais ce que je fais. Allez, va tranquilliser le château. Hey, tu me rebranches la ligne, la sonnerie et tout, okay. Allô? Allô, Marguerite? Oui? C'est moi. Oui, monsieur. Je vous rappelle de la voiture. Changement de programme, j'accompagne le ministre à Bruxelles. Je serai de retour demain matin. Bien, monsieur. Je vous rappellerai de là-bas. À plus tard, l'allié. Les lingeries ont été sacrées il y a 10 jours, la PME la plus performante de France. Cette PME est votre œuvre. Ah oui, mais j'ai été beaucoup aidée par la famille de mon mari, surtout par son oncle, Marcel Saint-Romand. Et puis, j'ai le meilleur designer d'Europe, Harald Hacknecht, avec 2 H. Vous êtes né en Algérie, où votre père, Paul Azoulay, avait de grosses affaires. Votre retour d'Algérie ne vous a pas traumatisé? Oh, ben non, vous savez, j'avais 3 ans. Et puis, ma famille n'était pas africaine depuis très longtemps. Ils se sont installés à Oran vers 1943. Et avant? Ah, avant. Avant. Mes 4 grands-parents ont fini à Auschwitz. Mais ma grand-mère maternelle, Sarah, d'où le prénom de ma fille, est partie pour le four, avec dans sa poche la clé forgée de notre maison à Cordoue. La clé a brûlé avec elle, mais je sais ce qu'elle signifie. Elle crie Laïch Haïn. Laïch Haïn. Vive la vie. C'est pour ça qu'un jour, je compte bien être la première. Et pas seulement dans les chiffons. Vous sentez-vous le culot d'écrire ça? Pas trop, quand même, qu'ils puissent respirer. Les linceuls n'ont pas de poche, je sais, mais nous, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de fric. Bonjour, Germain. Bonjour,
Viens chercher mon oncle. Ah ben, vous auriez dû téléphoner, ça vous aurait évité la route. Ben, j'ai essayé plusieurs fois, mais Fombelle ne répondait jamais. Tiens. Oui, il y a une coupure en FM, c'est rétabli. Je peux le voir. Mais monsieur le Président est parti depuis plus d'une heure de Fombelle. Il ne reviendra que demain. C'est grave? Non. Mais c'est important. Marguerite, il faut que vous le joigniez absolument. On a besoin de lui à Beaune, et c'est urgent. Je vais faire tout mon possible. Je vous garantis rien. Je compte sur vous, Marguerite. Bien sûr. Je suis là en fleurs. Rejoins ma femme. D'accord. Ça a l'air de bien se présenter, Marguerite. Le raisin est magnifique. On pourrait encore bien avoir une grande année. Oh, Charles. Je suis désolée. Je crois bien que Marcel vous a oublié. C'est bizarre. Il m'avait demandé de rester à déjeuner pour parler d'une vieille histoire. Oh. Mes travaux d'expertise sur le projet Cuvée 2001. Vous étiez au courant? Non. Sûr? Quand je dis non, c'est non. Un important groupe italo-sud-américain disposant d'énormes capitaux aurait décidé de relancer cette affaire. Et comme par hasard, le commandatore de Bonomi se promène dans la région depuis une dizaine de jours accompagné de son conseiller juridique. Je suppose que Marcel, vous avez commandé une soupe de pois cassés. Exact. Et comme il vous aime bien, deux œufs à la crème pour vous. Oh, je suis désolée. Ce sera pour une autre fois. Je vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin? Oubliez tes noms. Tiens, ça lui ressemble pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec cette mail? On me téléphone à la Jaguar que je suis. Allô? Oui. Allô, la préfecture? Oui. Pouvez-vous me passer, monsieur le préfet, de la part de Marguerite Lallier? Je me sers. Au nom du président Saint-Romain. Ne quittez pas, je vous prie. Allô, monsieur le préfet? Oui. Oui, c'est Marguerite Lallier, la collaboratrice de Marcel Saint-Romain. Le président m'a dit qu'il devait accompagner le ministre après votre entrevue. Vous est-il possible de me dire où je peux le joindre? Oh. Il est en Asie. Ah bon? Oui. Ah. Voulez-vous que je... Non, pas du tout, je me suis sûrement trompée, je vais m'arranger autrement, excusez-moi. Si je peux quelque chose pour vous, je peux essayer de me renseigner. Non, oui, je vous remercie infiniment, monsieur le préfet. Oui, bien sûr. Bien sûr, merci, au revoir, monsieur le préfet. Au revoir. Oui. Puis-je parler à monsieur Marcel Saint-Romain? Vous faites erreur, madame. Je ne suis pas chez madame Dolaire. C'est bien moi, en effet, mais je ne connais pas de monsieur Saint-Romain. D'ailleurs, qui est à l'appareil? Des mufles. Il y a des mufles dans cette ville de fous furieux. Yes. Bonjour, madame. Ici le plat de la télé. Je voudrais parler à monsieur Marcel Saint-Romain, de la part de monsieur Clifford Johnson. Sorry, wrong number.
Chip, 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 that a bitch. Pour l'équipement, c'est champion, mais j'aurais préféré être ailleurs. Acapulco, Venise, Rio, Palavas. Bref, la grande classe, quoi. Je pense que papa doit être déçu. Tu casses pas pour papa. Pour l'instant, il sait pas ce qui lui arrive. Mais encore moins ce qui va lui arriver. Voyez-vous, capitaine, à mon avis, ces messieurs se sont disputés avec d'autres. Et dans ce discours-tout à bras de fer, il ne semble pas qu'ils aient eu le dessus. Aux hommes, on touche à rien. On ne touche pas à l'absurde, le Guillou. Deux motards et un postier criblés de balles en pleine nature, ça n'existe pas. Il y a des motards de chez vous? Non, j'ai vérifié, dans tout le département, manque personne. Les motos sont des japonaises maquillées et le postier est un faux postier. Des accidents de la route comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, je prends donc les choses en main. Ah, pardon, commissaire. Nous sommes ici pour collaborer. La ville, c'est vous, mais la campagne, c'est moi. Oh, distinguo subtil mais obsolète. Parce que trois comiques tués par balle, même dans la nature, c'est une affaire qui finira bien par émigrer de la campagne pour venir s'installer en ville, c'est-à-dire par m'en retomber dessus. Ah, vous, vous voyez déjà votre photo en première page. Écoutez, mon vieux, la ferme paraît tellement énorme qu'il va y avoir du boulot pour tout le monde. Alors, si vous voulez bien, on va s'arranger. Vous occupez de faire établir l'origine des véhicules et vous faites embarquer les Maccabées direction la morgue. Gérard! Tu rentres avec les ambulances, autopsie, recherche d'identité et autres. Je veux tout ça dans 2 heures. Oh, Gérard, tu m'écoutes? Regardez, patron, ce que j'ai trouvé entre la portière et la banquette arrière. Cette ligne est celle de Fombelle. Et Fombelle, c'est MSR. Capitaine, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? MSR égale Marcel Saint-Romand. Si j'ai bonne mémoire, vous, comme nous, étions chargés de sa sécurité. Ah, certes. Eh bien, Marcel Saint-Romand vient de se faire enlever, peut-être même assassiné. Votre petite maison de famille, c'est où? Périgueux, pourquoi? Moi, c'est à Roscoff. Bah, pendant que vous pêcherez vos écrevisses dans la Dordogne, moi, je ferai pousser mes homards dans l'océan. Après tout, pourquoi pas? Même dans la retraite anticipée, les tâches de la police et celles de la gendarmerie doivent rester complémentaires, non? Pour communication, veuillez donner votre indicatif. ML 7911 1311, rouge, référence MSR 6 8 12 10 12 soft. Délai non respecté. Renouvelez contact à heure convenue. Prêt pour communication, veuillez donner votre indicatif. ML 7911 1311, rouge. Référence MSR 6, 8, 10, 12, 10, soft. Indicatif correct. Je transmets message MSR à Marguerite Lallier. Instruction complète sur vidéocassette. Hypothèse Titanic. Visionnage urgent et impératif en seule présence. Judith Saint-Romand. Terminé. Judith. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à cette Judith-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Judith! Judith, venez!
tu vas? Venez, je vous emmène avec moi. On nous attend un problème très grave. Où tu vas? Germain, rentre à la maison avec les enfants. Rentre! Je te téléphone. Téléphone. Je sais pas ce qu'elle a montré. Papa, il y a tes demi-clés qui se défont. Dis donc, t'as rangé ta couchette? Ah, mon cher préfet, entrez-vous. Messieurs, voici le préfet Boisard qui dirige la TST. Mon cher préfet, permettez-moi de vous présenter Monsieur de Laboissière, inspecteur général des finances et directeur au Trésor, Monsieur le commissaire Graveron, qui dirige le SRPJ de Dijon, et le commissaire... Joël Le Guillou. C'est ça, le commissaire Le Guillou, qui a mené l'enquête sur le terrain. Je vous en prie, mon cher préfet. Monsieur. Vous nous disiez, Monsieur de Laboissière... Je vous disais que cette disparition de Marcel Saint-Romand nous pose bien des problèmes. Oui, à cause de l'OPA et de ses répercussions sur la bourse. S'il n'y avait que cela. En un mot, Laboissière, votre position. Marcel Saint-Romand s'était engagé pour nous dans une négociation très, très, très délicate. Franchement, aux finances, ça nous arrangerait que l'enlèvement restât secret. Il nous faut bien 48 heures pour parer au plus pressé. Entrez. Mal à la gorge, Lafort? Non, monsieur le ministre. Habillé un peu rapidement. Le commissaire Vinclair est arrivé. Qui l'a? Ah, bonjour, Vinclair. Bonjour, monsieur le préfet. Monsieur le ministre, je vous présente le commissaire Vinclair, notre tête chercheuse de la DST. C'est elle qui prend l'affaire en main. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur Graveron, nous écoutons. C'est à vous, Guillaume. Eh bien, je vais commencer par vous exposer la matérialité des faits. Monsieur Le Guillou, merci. Votre travail a été très efficace. Mais si nous sommes ici, monsieur le préfet Boisard et moi, c'est qu'il a déjà été établi que les trois hommes trouvés morts sur les lieux de l'enlèvement appartiennent au Tariq al-Jadid. En français, ça veut dire la voie nouvelle. C'est un groupuscule terroriste sur lequel, à la DST, nous enquêtons depuis peu. Les voici. Nous savons qu'ils ont tous les trois suivi un entraînement intensif de guérilla dans les fameux camps du colonel Ben Laksar, quelque part dans le Tibesti. Donc, mais pour l'instant seulement, il y a tout lieu de penser que Marcel Saint-Romand a été victime d'une action terroriste. Cette hypothèse n'est pas dénuée de fondement. Marcel Saint-Romand était en train de négocier, à notre demande officieuse, un accord financier qui va peut-être à l'encontre des intérêts de certains pays du Moyen-Orient. Peut-être ? Je ne puis en dire plus. Monsieur le ministre, nous sommes sans doute devant une affaire d'État. Et comme toutes les affaires d'État commencent généralement par un fait divers, je vous demande jusqu'à nouvel ordre le secret absolu sur cette affaire. Les finances ne m'avaient demandé que 48 heures, mais la sécurité a parlé. Messieurs, depuis Clémenceau, le premier flic de France, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous voyez ce lustre? C'est celui de Fouché. Ce bureau, c'est celui du duc de Morny, ses ors sont ceux de la République, et il faut que ce soit un commissaire qui me donne des instructions. Un commissaire et qui plus est une bonne femme. Allez-y donc pendant que vous y êtes, monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vous demande pardon, madame, mais... Enfin, quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à obéir. Eh bien, du coup, vous les avez, vos 48 heures? Ceci est le message hypothèse Titanic. À l'instant où je vous parle,
À l'instant où vous me regardez, je suis sur le point de mourir. Ou bien je suis déjà mort. Soit parce que j'ai été victime d'un enlèvement crapuleux, soit parce que j'ai été assassiné. Mais dans l'un ou l'autre cas, mes instructions restent les mêmes. Vous n'alertez pas la police. Vous n'acceptez aucun contact avec personne, tueur ou ravisseur. Et surtout, surtout, vous ne payez pas de rançon. Tout doit rester secret, aussi longtemps que possible. De mon côté, j'ai pris les dispositions suivantes. Tous mes avoirs dans tous les pays sont bloqués, préventivement. Toutes les opérations boursières ou bancaires en cours sont gelées, provisoirement. À compter de la minute présente et pour une durée d'un mois, Marguerite, je vous confie l'expédition des affaires courantes. C'est donc vous qui allez détenir la signature, la procuration et les chèques et les comptes courants. Si, au bout de ce délai de 30 jours, je n'ai pas reparu, ces pouvoirs passeront entre les mains de ma nièce, Judith Saint-Romain. Tous les actes légaux sont déjà déposés chez mes avoués de Londres. Messieurs Cohn, Cohn and Cohn. Judith et Marguerite, ces dispositions vous concernaient toutes les deux. Maintenant, l'allié, je vous demande de bien vouloir quitter cette pièce. Oui, je vous choque, je le sais. Mais ce que j'ai à dire à ma nièce ne regarde qu'elle et moi. Merci de me comprendre, l'allié. Marguerite. Mon premier acte d'obéissance sera de désobéir. Je crois que nous ne serons pas trop de deux pour faire face à ce cataclysme. Judith, depuis quelques années, et plus particulièrement depuis quelques mois, je te regarde vivre. J'ai pour toi beaucoup d'estime, beaucoup d'affection. Je crois que tu es quelqu'un de très honnête. En un mot, je t'aime bien, Judith. Alors voilà ce que j'ai à te dire. Les affaires Saint-Romain, frère et fils, tu laisses courir. La famille, chacun à son niveau, les tient bien en main. Y compris ton mari. Mais il faut que tu saches que depuis plus de 30 ans, je mène d'autres affaires discrètes, mais énormes. Ce sont celles-là que je te confie si dans un mois, je n'ai pas reparu. Elles feront de toi une des femmes les plus puissantes. Et accessoirement les plus riches d'Europe. N'en sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé non plus parce que tu apprendras à Londres, chez Cohn. Ils sauront t'aider. Tu tiens désormais ton destin et ce que j'ose appeler mon œuvre entre tes mains. Si par hasard tu ne t'en montrais pas digne, c'est que j'aurais commis à ton égard une erreur de jugement. Impardonnable. Et alors, je ne serai pas seulement mort, je serai en enfer. Thank you.
publique et si secrète.